Mais quel munificent mécène a bien pu contribuer à financer la visite du pape à Marseille ? Quel amoureux de la liberté d'expression et du pluralisme des médias va lancer le 8 octobre prochain un nouvel hebdomadaire, la Tribune Dimanche, pour satisfaire tous les orphelins de la majorité qui ne se remettent pas du passage du JDD sous pavillon Bolloré, qui enfin était invité mercredi dernier par le président de la République à participer aux royales agapes données au château de Versailles en l'honneur de Charles III et de sa Camilla de Rennes. Et oui, derrière tout ça, un seul et même homme, Rodolphe Saadé, le vrai boss de Marseille, selon le journal Libération. C'est le nouveau milliardaire français qui n'en finit pas de grimper, mais qui a su rester discret et modeste. Le nouveau tycoon français, le nouveau Xavier Niel, Citizen Saadé, peut-on lire dans les portraits qui vous sont consacrés. Pour quelqu'un d'ultra discret comme vous, comment gérez-vous cette exposition soudaine? Est-ce que ça vous fait peur? Peur non, c'est nouveau surtout. Je suis ici d'une famille où on est relativement discret, on habite Marseille. Et c'est vrai que tout ce qui arrive en ce moment est un peu nouveau pour nous. Mais de l'autre côté, on s'adapte et on avance vite.